Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Dialogue. Avec toute une famille invitée aujourd'hui, belle image d'une famille d'origine arménienne qui donne une idée du dynamisme qui règne au sein de la communauté franco-arménienne de Marseille. Aujourd'hui, nous parlerons dans un instant de leur parcours professionnel et de leurs activités. Avec nous aujourd'hui Yannick, musicien depuis 1990, vous m'arrêtez si je me trompe, batteur, percussionniste, il a présidé plusieurs associations culturelles et organisé de nombreux événements depuis 1997, c'est le spécialiste de la gestion des grands événements politiques, culturels ou encore sportifs. Yannick, bonjour. Bonjour. Nous accueillons aussi un DJ aujourd'hui, Rudy, DJ arménien, qui a gagné la compétition du meilleur DJ organisée par l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance. Rudy, bonjour. Bonjour. Et enfin Franck, diplômé de sciences politiques, spécialisé en communication et en médiatisation, directeur de centres de loisirs, de centres de vacances, de maisons de quartier. Il est devenu responsable des salons de la Boiseraie, lieu de restauration et d'événements qui se trouve dans le 12e arrondissement de Marseille. Franck, qui prépare actuellement un grand concert qui se déroulera au Palais du Pharo le 19 septembre à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie. Il nous en parlera tout à l'heure. Franck Onessian, bonjour. Et bonjour. Et puis avec nous également le chroniqueur, c'est une nouvelle rubrique dans le Club Ararat TV. On aura aujourd'hui une chronique qui concernera le 28 mai 1918, la naissance de la première République démocratique d'Arménie. Mais avant de parler des salons de la Boiseraie, de Just for Event ou du Grand Orchestre Massy, je vous propose de revenir quelques instants sur l'événement qui aura marqué les consciences des Arméniens de France en mai 2011. 4 mai 2011 exactement, date noire, à laquelle les sénateurs rejettent le projet de loi visant à pénaliser la négation du génocide arménien. Je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, c'est le directeur de la rédaction du magazine Le Point, interrogé par Éric Narcissian au micro de Ararat TV. Cette affaire de la pénalisation de la négation du génocide arménien, c'est une affaire qui ne fait que commencer. C'est pour ça qu'il ne faut pas pleurnicher en disant que tout est foutu. Bien entendu que non. Et pour une raison toute simple. C'est que la position des adversaires de ce texte est absolument indéfendable. Moi, je pense que tout ça a été mal emmanché, d'abord sur le plan politique. Dès que la politique s'en mêle, la gauche, la droite, etc., évidemment, on ne trouve pas ce petit, parce que pour l'instant, c'était un enjeu, une sorte d'enjeu politicien. En fait, ce n'est pas un enjeu politicien, c'est un problème de fond, c'est un problème qui doit se régler, et qui est un problème qui concerne à la fois la droite, la gauche, toutes les composantes politiques de ce pays, et à vrai dire, ce sera réglé forcément, fatalement, dans les prochains mois. Ce n'est pas possible autrement parce que, je le répète, la position des adversaires de cette loi est absolument indéfendable. Pourquoi la négation de certains génocides serait pénalisée et pourquoi la pénalisation d'autres génocides qui sont contestés toujours par des États ne serait pas pénalisée? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que personne ne peut comprendre. C'est pourquoi, moi, je suis optimiste. Au fond, je pense que ce n'est qu'une bataille de perdu et que la guerre sera gagner le jour venu. Voilà, c'était donc Franz-Olivier Gisbert au micro d'Ararat TV. Franck Onessian, vous êtes aussi l'assistant parlementaire de Roland Blum, premier adjoint au maire de Marseille. Comment vous analysez ce rejet par les sénateurs ? Eh bien, je suis absolument d'accord avec M. Gisbert, puisque je trouve que c'est scandaleux, parce que en fait, ça n'a rien à voir avec une question politicienne. Et ce qui s'est passé, d'abord, il y a effectivement des enjeux politiciens qui ont fait qu'on en est arrivé là. Et je dirais à tous les défenseurs de la Turquie, en fait, aujourd'hui, hein, que la question de la reconnaissance du génocide arménien, c'est une question des droits de l'homme, et ça concerne ni la droite ni la gauche, mais l'ensemble de la population française. Je rappelle quand même qu'on est le pays des droits de l'homme, et du coup, je n'arrive pas à admettre que des sénateurs
qui sont censés être des hommes sages, puissent aller dans ce sens. Voilà, donc purement et simplement, je trouve scandaleux l'attitude de ceux qui ont voté pour l'irrecevabilité. Mais je tiens à souligner que, par exemple, des hommes comme Bruno Gilles sont allés contre les défenseurs, et je dis les défenseurs de la Turquie parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose que défendre des intérêts avec la Turquie ou des intérêts politiciens. Alors, je sais que Roland Blum a toujours été un grand défenseur de la cause arménienne, donc je suis très à l'aise pour dire que, effectivement, je suis fier d'être assistant parlementaire de Roland Blum. Mais à droite comme à gauche, il y a des gens qui utilisent la cause arménienne à des fins personnelles. Mais après, j'en reparlerai dans ma conclusion, parce que il y a des choses à dire. Alors, une réaction maintenant de Yannick Ohanessian. Yannick, votre réaction? Très rapidement, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Franck. Ceci dit, je crois que il y a aussi peut-être une question à se poser de la part de la communauté arménienne, à savoir, est-ce que à un moment donné, nous avons une vision, nous, aujourd'hui, de Marseillais d'origine arménienne, parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté arménienne ici, sur les grandes villes de ce pays. Maintenant, la question que doit se poser la communauté arménienne et ses composantes associatives, c'est de savoir si, à un moment donné, on n'a pas un travail aussi à faire sur l'ensemble du territoire français pour faire connaître un peu plus la question du génocide arménien, parce qu'il y a aujourd'hui des sénateurs qui n'ont pas forcément connaissance de tout ce dossier. Alors là, nous allons tout de suite maintenant changer de sujet. Nous allons parler de cet espace qui se situe dans le 12e arrondissement de Marseille, exactement 2 rue Gaston de Flotte, espace de restauration, mais aussi Franco-Ohanessian, lieu où l'on peut se retrouver pour faire la fête. Absolument. Donc c'est un lieu, en fait, quand on a démarré il y a 2 ans, c'était un lieu de restauration uniquement, et puis depuis 2 ans, avec l'aide justement de Just for Event, de DJ Greg Essian, de DJ Rudy, on a développé cet espace en salle de réception, de fête, et puis finalement c'est devenu un peu le lieu de retrouvailles des associations arméniennes, et notamment je remercie l'UGFA, l'UGAB, enfin encore bien d'autres associations qui ont organisé de grands événements. Alors on essaie de les accompagner, et puis petit à petit ça devient un lieu incontournable effectivement pour faire de belles fêtes et de belles réussite, que ce soit des mariages ou des soirées ou tout autre événement. Alors c'est un lieu où on trouve effectivement beaucoup de Français d'origine arménienne, mais pas seulement, c'est ouvert à tout le monde, on peut le dire. Oui, c'est ouvert à tout public. On a organisé, alors on organise des soirées à thème. Oui. On est allé en Espagne. On a fait voyager les gens en Espagne, à l'île de la Réunion, dans l'Orient. Pas plus tard que samedi, on était dans un mariage oriental. Et du coup, effectivement, on organise des soirées arméniennes. On a eu des danses arméniennes traditionnelles, des groupes de musique arménienne traditionnelle, des DJ. Enfin, on va dans tous les sens. Et on devient le lieu de l'événement avec un grand E. Alors, un petit mot, il y a quelques spécialités du côté de la Boiserie, Franco-Ohanessian. Quelques spécialités culinaires qui sont au menu de ce qu'on peut trouver du chef. Je peux vous parler de la sauce, parce que mon associé qui s'appelle Azad Pambagian, donc oui, qui est arménien. Ah, alors tout le monde me dit, alors il doit cuisiner arménien très bien. Eh bien non, là où il est le meilleur, c'est dans les sauces. Et pas plus tard qu'à midi, on a pu déguster une sauce avec du lapin qui était un délice. Donc voilà, on a plein de spécialités de ce chef, et c'est un plaisir d'avoir un chef qui a 25 ans et qui cuisine aussi bien. Alors nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vous allez nous présenter un peu le grand concert que vous êtes en train de préparer pour fêter à Marseille donc les 20 ans de l'indépendance de la République d'Arménie. Ça se passera donc au palais du Pharo. Un concert qui se déroulera exactement le 19 septembre et qui sera précédé d'une soirée de gala de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Alors c'est une grande soirée qui devrait réunir notamment André Manoukian, Mathieu Madénian pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on le voit assez régulièrement maintenant dans les émissions de Michel Drucker le dimanche soir sur France 2, c'est un humoriste. La délicieuse et charmante Hélène Ségara devrait également nous rejoindre au Palais du Pharo le 19 septembre, Patrick Fiori également. Alors comment ça va se dérouler au niveau du concert, Franck? Ça va être un événement assez fabuleux, puisque en fait c'est Marseille Arménie hein, qui organise cet événement. Donc il y a beaucoup d'hommes et de femmes avec beaucoup de générosité qui organisent ça. Et avant de parler du concert en lui-même, j'aimerais dire que nous avons prévu d'apporter un chèque au Phonéton du Foirmien de France. Voilà, au bénéfice, et donc, du, au bénéfice du Phonéton. Oui. Donc voilà, on met beaucoup d'enthousiasme à réussir cet événement. C'est important de le mais dire. Mais ça va être un grand événement donc qui va être géré, managé par le groupe Massis,
et Just for Event, et à l'intérieur duquel nous aurons effectivement Hélène Segarra, André Manoukian, Patrick Fiori, Mathieu Madénian, des artistes de qu'on ne présente plus, mais il y aura aussi la chorale Saak Mesrop, il y aura aussi le groupe Massis, il y aura aussi Minor Syndicate, donc il y aura un mélange de jazz, d'arménien, de personnalités plus ou moins connues, et plein de surprises à l'intérieur, puisque le déroulement du concert sera dévoilé le soir du concert, avec un final, croyez-moi, qui sera exceptionnel, puisqu'il s'agit du 20e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Et donc les organisateurs et les artistes ont décidé de faire une grande surprise et une grande fête à toutes les personnes présentes. Alors Yannick, vous êtes donc le frère de Franck, vous êtes le responsable de la société Just for Event, société d'événementiel à l'attention des particuliers ? À l'attention des particuliers, mais aussi des sociétés, professionnels, aussi des entreprises. C'est né à la base, à l'origine, dans l'intention de vouloir développer toute une partie événementielle pour la direction des associations arméniennes. C'est né de cette façon-là, et puis ça s'est élargi, développé. Et aujourd'hui, Just for Event gère régulièrement des établissements qui souhaitent organiser des événements, des concerts avec des DJ, des groupe de musique, voilà. Et donc, d'où notre participation. Franck parlait d'un grand mélange le soir de l'événement du 19 septembre. Et le mélange demande de la rigueur, une sacrée organisation. Et je pense que c'est ce à quoi va s'atteler Just for Event. Alors, Just for Event accompagne ses clients de la préparation à la réalisation de l'événement. Alors, voilà, il y a la possibilité d'avoir une demande clé en main du début à la fin de l'organisation. C'est-à-dire qu'en amont, il y a toute une préparation et il y a la mise en organisation le jour J sur de l'installation du matériel, de la décoration, voilà, ça peut aller vraiment clé en main, tout clair. Alors quel type de service vous proposez Alors le type de service, il y a deux grosses parties dans Just for Event. Il y a d'abord une première partie qui consiste à avoir d'abord tout ce qui est sonorisation, éclairage, décoration de salle, mise en lumière de la salle, et puis il y a une deuxième partie qui est communication et distribution de flyers, de cartes de visite, de tracts, de prospectus, etc. Et donc, on essaye de faire un parallèle entre ces deux chantiers pour l'entreprise. L'événement, c'est une passion pour Yannick Ouanessian ? Ah, c'est une vraie passion, ouais. C'est une vraie passion et je suis un vrai perfectionniste en plus, donc c'est voilà. On va demander maintenant au DJ Rudy, qu'est-ce qui passe en ce moment ? On peut peut-être écouter si Frédéric... voilà, on entend quel groupe, Rudy ? Rudy qui est le DJ de la bande, hein, qui est donc... celui qui a été primé à la compétition qu'avait organisée l'UGFA, hein, vous avez été sacré meilleur DJ, oui, hein, de cette soirée. Alors présentez-nous, dites-nous quelques mots à propos du groupe que nous entendons actuellement. Alors là on entend le groupe Massis, oui. C'est le groupe de musique donc d'origine arménienne, oui. Avec lequel j'ai débuté, oui. Donc j'avais que 15 ans à ce moment-là, et vu que la musique ça a toujours été ma passion, et surtout la musique arménienne, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'intégrer ce groupe. Et donc aujourd'hui je travaille en collaboration avec un autre DJ qui s'appelle Greg Essian. Et nous sommes tous les deux passionnés de musique arménienne et de musique internationale. Donc le but c'est de proposer surtout à la diaspora arménienne une animation diversifiée. Oui. Puisque on veut donc dans les événements qu'on organise, le public veut tant de la variété internationale que de la variété arménienne. Donc c'est très intéressant pour nous de proposer ça au public. Alors Rudy, comment se déroule la journée d'un DJ arménien ? Comment ça se passe Alors déjà, à quelle heure vous vous levez le matin ? C'est le matin, il n'y a pas besoin de se c'est lever. C'est pas avant 3h ou 4h de l'après-midi ? Non, par contre, il faut se coucher très tard. Oui. Donc ce qu'on oublie souvent, c'est que le DJ ne commence pas la soirée à 19h ou 20h quand la soirée commence. Ça commence bien avant, en début d'après-midi, avec tout ce qui est préparation du matériel, etc. Préparation du programme de la soirée. Et des fois même des jours avant, donc on prend rendez-vous avec le public, le client, pour une animation vraiment personnalisée. Donc ensuite c'est tout ce qu'il y a de traditionnel, donc une installation de matériel, voir si tout va bien, et puis suivre la musique, l'actualité musicale internationale et arménienne bien sûr, pour pouvoir proposer aux clients une animation sympathique. On va écouter tout de suite un extrait d'une composition du groupe Massis. Ouais,
Alors, visiblement, on remarque, Franck Onessian, qu'il y a une complémentarité là entre les frères Onessian, avec Rudy, etc. Est-ce que cette complémentarité, on la retrouve, j'ai l'impression également, comme dans toutes les familles françaises, presque à un niveau politique, on va dire, avec un frère qui est plutôt à gauche, un autre plutôt à droite. Alors, je suppose que les réunions de famille, de temps en temps, sont assez animées, non ? Elles sont très animées. Après, il ne faut pas oublier... que ben, on est en famille, on est frères, mais on arrive à faire la part des choses, et effectivement de temps en temps on a des débats plutôt houleux, mais en général c'est constructif. Voilà, donc tant qu'on reste dans un parti républicain, tout va bien. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, avant de commencer cette émission, que vous n'étiez pas comment dire, en phase avec la manchette là, du dernier numéro des nouvelles d'Arménie Magazine. Le titre de la couverture vous a pas trop plu, je crois. Hein. Ah non, la droite lâche les Arméniens, ça m'a pas plu du tout. Je trouve qu'un journaliste doit faire son travail de journaliste. Et là, il y a une prise d'opposition, du partisanisme qui est, pour ma part, enfin, à mon sens, déplacé. D'autant que dans le fond, c'est faux. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la droite ou la gauche, puisque là, il y a des sénateurs de droite et de gauche qui se sont trompés en faisant le jeu de la Turquie. Et voilà, je trouve que M. Tohranian est un bon éditorialiste, mais que là, il est allé un peu loin dans du partisanisme. Et en plus, c'est une erreur dans la défense de la cause arménienne, j'arrête pas de le dire depuis 10 ans. Un président d'association doit être président d'association. S'il veut faire de la politique, il prend sa carte dans un parti politique et il s'implique dans le parti politique. Mais on peut pas faire les deux. C'est dangereux d'un côté comme dans l'autre, parce que c'est la base du communautarisme, et à un moment donné... ça joue de mauvais tours. Yannick, d'accord avec votre frère Franck ? Pas du tout. Alors non, deux mots. Juste en deux mots, moi je considère, sur ça peut-être qu'on est assez d'accord, on se rejoint, je considère qu'il faut une impartialité en tant que journaliste, et ne pas être partisan. Maintenant, moi je considère que le titre est peut-être un peu fort, mais je considère tout simplement que c'est un état de fait et un constat de la réalité, en tout cas concernant cette loi pénalisant la négation du génocide arménien, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il a fallu pour la gauche, et attention, je dis bien à gauche, il y a loin de là que des gens qui sont favorables à cette loi, mais enfin, il a fallu quand même que la gauche propose une niche parlementaire. La droite aurait pu largement mettre ça tout simplement à l'ordre du jour, et cela n'a pas été fait. Voilà, nous allons maintenant écouter la nouvelle chronique de l'UGFA. Alors l'UGFA, je le rappelle, c'est l'Union Générale des Étudiants Franco-Arméniens. Et aujourd'hui, eh bien, la chronique de l'UGFA va nous parler de l'histoire de l'Arménie. Alors justement, c'est un peu lié avec des sujets politiques, puisqu'on va... alors c'est Tigran Saakian de Radio Van, hein, qui est arrivé d'ailleurs, il faut le signaler, parce qu'il parle un français impeccable. Il est arrivé en France en 2009, et aujourd'hui c'est Tigran donc Saakian qui va nous présenter sa chronique. Le 28 mai 1918, naissance de la première république d'Arménie. Tigran, on vous écoute. À la naissance de la première république arménienne, à mon avis, est l'un des moments cruciaux de notre histoire. La première république démocratique d'Arménie est née le 28 mai 1918 dans un contexte régional et international très complexe. Pendant la courte période de son existence, l'Arménie a dû faire face à des Turcs, à des bolcheviks et à une politique coupable des puissances mondiales. De nombreuses batailles couronnées par des brillantes victoires, notamment sur de Sardarapat et Bachaparan, respectivement le 20 mai et le 21 mai 1918, nous ont permis d'établir le premier état démocratique sur le sol arménien. L'Arménie a enregistré de nets succès malgré la pression de ses voisins. C'est la création de l'Université nationale d'Arménie en 1919, un certain développement économique et une démocratie qui a commencé de se mettre en place. Un simple exemple. Les trois des quatre premiers ministres arméniens, sauf le premier, Hovhannes Karagiannouni, ont été élus démocratiquement. Mais malgré les efforts d'Arménie et du peuple arménien, le pays n'était jamais reconnu par la communauté internationale. L'Arménie a envoyé une délégation avec Avetis Aharonian, un écrivain et un homme politique en tête, pour participer à la conférence des pays à Paris au début de 1919. Ici à Paris, cette délégation rencontre la délégation des Arméniens de la diaspora, avec Poros Nubal, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Égypte, en tête. Maintenant, Tigran, on va parler du drapeau arménien. Alors, comment se présente le drapeau arménien et quelle,
Quel est le symbolisme des couleurs du drapeau arménien, Tigrane? En fait, la constitution d'Arménie a été votée en 1er août 1919. Et cette constitution-là a établi le drapeau, enfin notre drapeau tricolore, rouge, bleu et orange, soi-disant orange, comme le drapeau officiel d'Arménie. Ces trois couleurs ont leur signification. La couleur rouge signifie le sang des Arméniens qui ont donné leur vie pendant le génocide arménien. Oui. L'explication de la couleur bleue, il y a deux versions en fait. Il y a une version plus ancienne, c'est la version du ciel arménien qui est toujours clair, qui est toujours dégagé. Et la deuxième version, plus récente, plus psychologique, le pays qui a un drapeau avec la couleur bleue, ça signifie l'amour de son peuple envers l'indépendance et l'unité du peuple. Et la couleur orange, soi-disant orange, je répète soi-disant, c'est la couleur d'un fruit arménien, nature arménien, qui s'appelle apricot, vous connaissez très bien. Et le nom de ce fruit, en latin, ça s'appelle Armenicum. C'est-à-dire, depuis les anciens, nos anciens ont connu ce fruit comme le fruit national d'Arménie. Donc ce drapeau a cette signification-là. Merci Tigrane Saakian. Je rappelle qu'en Arménie, vous étiez sur Radio Van. Les coups de sifflet et les coups de cœur du club Ararat TV, avec lesquels nous allons terminer tout de suite. Alors, nous allons demander à nos trois invités aujourd'hui quel est pour chacun d'entre vous l'événement que vous avez le plus détesté et à contrario celui que vous avez le plus apprécié au cours des dernières semaines. Qui veut commencer? On va commencer avec avec Yannick. Alors l'événement, le coup de sifflet par exemple. Alors le coup de sifflet pour moi, par rapport à l'actualité, oui, ça serait la situation des migrants tunisiens. Oui. Les migrants tunisiens qui ont débarqué un peu partout en France suite à la révolution en Tunisie et qui aujourd'hui n'ont aucun accueil sur le sol français, sont laissés à l'abandon. Pas très loin d'ici, si on va du côté de la porte d'Aix, oui, on peut encore en voir qui squattent et qui ne sont pris en charge par aucun des pouvoirs publics aujourd'hui. Donc ça, c'est mon vrai coup de sifflet. Ouais. Un petit coup de cœur? Un petit coup de cœur, ouais, peut-être la déroute berlusconienne en Italie. Voilà. Alors Rudy, vous avez préparé un petit coup de cœur, un petit coup de sifflet? Alors je vais commencer par un petit coup de cœur. Allez, ok. Rien d'exceptionnel, mais comme je suis passionné de tennis, aujourd'hui il y a les deux quarts de finale françaises, oui, qui se déroulent avec, oui, Gaël Monfils et Marion Bartoli, que je suis de très près. Donc là, ils doivent être en train de jouer. Donc vu que ça fait des années que c'est pas arrivé et que c'est un tournoi français, le plus grand tournoi de tennis du monde, je pense que toute la France et tous les francophones du monde doivent être derrière eux pour les soutenir. Et le coup de sifflet, j'ai entendu tout à l'heure une nouvelle information sur l'affaire de la famille Ligonès. Oui. C'est ce père de famille qui a assassiné ses quatre enfants et sa femme. Donc déjà, je trouve ça incroyable de voir un père assassiner ses enfants et sa femme. Et puis l'information d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, il les avait drogués et oui, fait les endormir. Oui. Donc c'est toute une préparation autour du meurtre de sa propre famille. Et le problème, c'est qu'on voit de plus en plus de drames comme ça qui se passent. Donc c'est vraiment un point d'interrogation pour moi de voir pourquoi dans un pays comme la France qui devrait être un pays où l'on vit plutôt bien par rapport à d'autres endroits du monde, il se passe encore des drames comme ça. Merci Rudy. On va terminer avec Franck Onessian. Commence. Alors, par le coup de sifflet. Allez, le coup de sifflet de le Franck Onessian. Le coup de sifflet, je reviens sur le négationnisme. Et oui, mon coup de sifflet ira tout droit à Badinter. Et je ne dis, oui, pas monsieur Badinter, mais Badinter. Comment quelqu'un qui a pu faire voter l'abolition de la peine de mort peut à ce point défendre la Turquie, un état négationniste? Je me pose encore la question, je n'en dirai pas plus sur mon coup de sifflet. Et mon coup de cœur ira au groupe Massis, donc, qui est représenté par David Ouanessian, qui est encore un frère, mais bon, voilà, on est quatre, hein, on ne va pas plus loin. Mais le groupe Massis qui a accepté immédiatement de participer, d'organiser, de manager et de faire la régie du grand concert du 19 septembre. Et aussi un coup de cœur parce que c'est un groupe de musique arménien qui arrive à mélanger tous les styles de musique traditionnels, modernes, et qui travaille trois, quatre fois par semaine pour devenir un groupe de musique pro et capable d'accompagner n'importe qui avec des partitions, sans partitions. Voilà, donc voilà, c'est mon coup de cœur, va tout droit au groupe Massis. Merci Franck Onessian.
Voilà, c'est la fin de cette édition du club Ararat TV Dialogue. Merci à vous, Yannick. Merci. Rudy, Franck, d'être venu à ce micro. Merci également à Tigrane pour cette chronique de l'UGFA. J'espère qu'on trouvera d'autres amis de l'UGFA à ce micro. Merci également à notre équipe technique, Caro Avakian. Il y a aussi Agop Cupéian et Sébastien Kesbarian de l'UGFA, donc, qui cadraient cette émission du club Ararat TV Dialogue. Pour en savoir plus sur les activités des frères Onessian, je vous invite à vous rendre sur le site internet www.justforheaven.com. Un autre site également où on retrouve toutes les activités proposées par les salons de la boiserie, c'est www.salonsaubiserie.com. Et on retrouve également le Grand Orchestre Massis sur leur page Facebook. Hein, tout à fait, oui. Je vous invite également toutes et tous à nous rejoindre sur notre page Facebook du Club Ararat TV. Aussi, nous serons bientôt un millier, je crois, dans ce groupe Ararat TV Facebook. En attendant, le millième membre du groupe Ararat TV Facebook. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires à l'adresse ararat-tv@numericable.fr pour retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Je vous dis merci de votre attention et je vous dis à très vite sur Dialogue et Ararat TV.